Bonjour. Bonjour. Donc, je vous présente ma chère amie Catherine, avec qui nous organisons un concert à Besançon. Voilà, donc on sera heureuse de vous accueillir le 7 octobre à Besançon, au Grand Cursaal de Besançon. Et ça sera donc un récital de piano, le son du silence. Et tu es aussi bisontine d'origine. Voilà, exactement. Et je me suis dit que ben voilà, j'avais vraiment envie de, que les Byzantins te découvrent. Donc, on a décidé d'organiser. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu viendrais jouer à Besançon? Et puis, bien sûr, Lim, qui est toujours ouverte et généreuse. Pas toujours, hein. Enfin, oui, oui. Surtout pour des projets comme ça, pour des concerts. Il me faut vraiment une résonance de cœur, c'est-à-dire qu'il me faut vraiment sentir qu'il y ait une harmonie d'approche, une harmonie dans la philosophie aussi. D'approche aussi, et voilà. C'est du sens. Bah exactement, ouais. Voilà. Ouais. Et puis moi je trouve que c'est génial ce concert dans le sens où c'est une amitié en fait qui a donné naissance à ce concert, et je trouve ça très très beau. Parce que bah, quand je parle avec toi, Catherine, c'est toujours l'harmonie entre tous les hommes, la mère nature, le respect pour la mère nature, l'amour entre tous les hommes. Et puis, je croyais qu'on parlait de toi. Oui, mais c'est-à-dire que c'est dans cette amitié-là, je trouve qu'on est toujours à la recherche de, en tout cas de notre manière, à notre niveau, faire le bien. Et dans mon cas, bah, il se trouve que c'est avec la musique, et il se trouve que dans cette musique-là, je cherche une sorte de lumière. Même dans, dans le drame musical, il y a aussi toujours un espoir. Et puis, dans ta philosophie, dans ta façon de vivre aussi, tu cherches toujours cette lumière. Et je trouve que bah, collaborer avec toi, c'est juste génial. C'est une amitié qui donne naissance à un concert. En plus, de plus, dans ta ville natale, à Besançon. Donc, c'est comme si, ben voilà, je vais aller jouer chez une amie, et c'est génial. En tout cas, merci. Je suis très heureuse, en tout cas, que tu puisses venir jouer à Besançon. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout une initiée en musique classique. Et bah, tu m'as fait apprivoiser la musique classique. Et ça, la manière dont tu joues, c'est tellement vivant. Et puis, on aurait, les gens vont croire qu'on a écrit le scénario avant. On se lance des fleurs. On n'est pas comme ça d'habitude, hein. Il ne faut pas croire. Hein. Non, mais c'est vrai que tu démocratises la musique classique. Et c'est aussi à Besançon, bah, c'est l'idée de, hein, que ça soit cette musique, qu'elle soit accessible à tous. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, ça me touche beaucoup que justement, bah, que ce concert, c'est pas que seulement pour les initiés, justement, c'est pas que seulement pour les mélomanes érudits qui savent parfaitement ce que c'est, comment ça doit être joué, une sonate de Beethoven par exemple, ou un prélude de Bach, mais que c'est un récital récit. Il y aura des récits entrecoupés de grands moments, de longs moments musicaux, mais vraiment ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qu'aux initiés, que non-initiés. Et d'ailleurs, la petite chose inédite dans le programme que j'ai composé, c'est que, en fait, le public ne va pas recevoir un programme où c'est écrit quel compositeur, quelle pièce, ça. En fait, ils vont le découvrir après le concert, parce que j'ai vraiment envie que le public qui va venir écouter ce concert à Besançon, bah, ils peuvent fermer les yeux, ils peuvent juste écouter, ils peuvent écouter les yeux ouverts, enfin comme ils veulent, mais qu'ils écoutent en tout cas sans aucun préjugé, même sans savoir qui est le compositeur, quel est le titre de cette musique. Parce que j'ai vraiment envie que, bah, qu'ils écoutent sans aucun préjugé, avec cette pensée que bah, si elle joue Chopin, alors il faut que ça soit romantique, si elle joue Bach, alors il faut que ça soit bien comme ça, alors si elle joue, je sais pas moi, Brahms, il faut que ça soit bien comme il faut. C'est que dès qu'on sort le nom d'un compositeur, bah, on a chacun une idée de comment ça doit être joué. Et je trouve que ça ne rend pas justice aux compositeurs dont leur musique avait complètement dépassé leur propre personnalité. C'est-à-dire que Chopin ne savait pas le style chopinien. Enfin, demandez à Chopin quel est le style chopinien, il vous dira, mais vous plaisantez,
moi je compose comme je suis, enfin comme l'authenticité, son essence, avec son essence la plus authentique possible. Donc j'ai l'impression que la musique vraiment, c'est, ça dépasse la personne, la petite personne, le petit individuel qui a composé la musique. Je pense qu'une fois que, par exemple, Beethoven, s'il a accouché la 9e symphonie, eh bien cette 9e symphonie appartient à l'humanité. Cela n'appartient plus à Beethoven, cette musique, ça appartient, je ne sais pas, à tout l'univers. Et ça va même, comment dire, surpasser les frontières, les cultures, puisque la musique c'est une langue universelle. Et puis ça va même, comment vous dites ça, ça va aller beaucoup plus loin que Beethoven lui-même, son individu, et même sa musique a dépassé le temps, hein. Enfin, c'est-à-dire que voilà, même après 200 ans plus tard, on joue toujours sa musique, que ce soit par les Japonais ou par les Espagnols, par les Coréens, etc. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie que dans ce concert-là, eh bien, on écoute sans aucun préjugé et qu'on découvre après le concert qu'est-ce que j'avais bien joué. Qu'est-ce que j'avais bien pu jouer. Pardon, qu'est-ce que j'avais bien joué. Qu'est-ce que j'avais... Oui, bah aussi, hein, bah peut-être que je l'ai bien joué, on ne sait pas. Attention, moi, ça se trouve. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ma chère amie, sur le concert? Attends, on va remontrer peut-être la... Oui, l'affiche. Ben voilà, venez nombreux. C'est l'occasion de découvrir Lim, H. Lim. Voilà, avec sa puissance inouïe. Non, mais c'est vrai, tu joues avec une puissance et puis une générosité. Merci. Extraordinaire. Ouais. Voilà. Oh. Vous êtes les bienvenus. On vous y attend. Merci, Catherine. Merci, merci tout le monde. Merci, merci beaucoup. Bye bye. 'Bonjour. Nous sommes à Besançon aujourd'hui et après une petite séance d'échange et de piano, nous allons avoir une séance de dédicace et de discussion. Voilà, ben je vous y retrouverai. Bye bye!